Bonjour. Non, aujourd'hui, pas de sketch, mais un texte que j'ai écrit il y a quelque temps, que j'ai envie de vous faire partager. Et j'espère que ça fera réfléchir certaines personnes. Voilà. La vie d'aujourd'hui. Ce n'est pas posséder toute la richesse du monde, les ressources précieuses de la terre, avoir le bateau le plus beau et tout tombe à l'eau. Avoir un avion personnel et on y laisse ses ailes. On ne sait plus apprécier les choses à leur juste valeur. Trop de riches, trop de pauvres. Tout est disproportionné. C'est ça la liberté, l'égalité, la fraternité? Donner de l'affection et de la tendresse. C'est ça le vrai bonheur. Avoir des sentiments au fond de son cœur. L'argent ne nous rend pas forcément heureux. Sinon, pourquoi tant de suicides chez les artistes? Il ne manque pourtant pas de fric. Les jeunes aussi s'y mettent, alors qu'ils démarrent la vie à peine. Comment en arriver déjà à tout arrêter avant de l'avoir même commencé? Le monde est devenu cruel et sans pitié. On ne sait plus à qui se confier. Nous vivons dans une société de mal-être. Il faut de la force et du courage de nos jours. Tout se dégrade, le respect, l'honnêteté, la libre pensée. Mais si certains éprouvent encore de l'amour, alors eux, sans doute, tiendront toujours. Pas besoin de fioritures, ni de belles voitures. Pourquoi tant de haine et de dénature? Nous sommes tous sur la même terre, et donc dans la même galère. Alors, arrêtons les guerres qui ne profitent qu'aux riches. Les belles paroles s'envolent, c'est facile. En attendant, la France s'appauvrit. Et toujours les mêmes qui traînent leur vie. Après de beaux discours, que reste-t-il? La même routine, fatigante et stressante. Alors, les politiciens, mettez-vous à notre niveau. Et vous verrez que tout n'est pas si beau. Voilà. Ben, j'espère que ça vous a plu, que ça vous donnera à réfléchir. Et je vous dis à la prochaine fois. Bye bye.